Essai. Bonjour tout le monde, on vous invite à venir vous asseoir, à venir vous annoncer vers nous à l'entrée et puis gentiment vous asseoir pour qu'on puisse commencer. Merci. Ça, c'est pas moi qui te.
Voilà, j'aimerais vous inviter gentiment à venir prendre place. On va commencer. Les cloches, comme vous les avez entendues, viennent de s'arrêter de sonner. Non, bon, c'était un gag. Mais venez, venez seulement vous asseoir, qu'on puisse commencer, accueillir les mariés, écouter la musique. On se réjouit de vous entendre. Oui, c'est sûr. Thank you.
Christelle, de Timothée, ça fait vraiment plaisir de vous accueillir dans cette magnifique journée, dans ce cadre excellent et magnifique. J'aimerais vous inviter à vous lever pour commencer, que tout le monde puisse bien vous admirer comme ça, parce que c'est vraiment, vous êtes magnifique. Et puis, j'aimerais vous inviter à les applaudir pour leur souhaiter la bienvenue. Vraiment. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, ces mariés. Magnifique, magnifique. Vous pouvez reprendre place. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à toutes, à tous, qui êtes là, présents pour en tirer Tim et Christelle dans cette belle journée. Et puis juste une petite attention particulière pour les enfants, juste prévenir qu'il y a un étang là derrière, et puis que les enfants, il faut vraiment faire attention quand même, pas qu'il y ait des bains, disons, inopinés. Voilà. Pour les grands, vous vous débrouillez. J'aimerais bien souhaiter aussi la bienvenue aux youtubeurs et youtubeuses qui n'ont pas pu être là parce qu'on a limité le nombre de personnes présentes. Donc voilà, bienvenue aussi à vous, et puis vous pourrez peut-être rejoindre les mariés dans l'après-midi. À l'occasion des apéritifs. Voilà. On veut se réjouir en cette belle journée de célébrer ensemble votre mariage, votre union, cette alliance que vous scellez ensemble. C'est juste magnifique, quoi. On se réjouit d'autant plus, et même premièrement, finalement, que vous désirez vivre ce temps, de vivre votre vie de couple, en fait, en le fondant sur la présence même de Dieu. Et je crois que c'est un cadeau supplémentaire encore que vous vous accordez et que vous nous accordez aussi. Ce Dieu merveilleux qui nous aime et qui désire vraiment le meilleur pour vous, pour nous tous. Et j'aimerais vous inviter à la prière. Avant ça, je vais peut-être demander au groupe de louanges de venir se mettre en place. Et puis, pendant qu'ils se mettent en place, nous voulons juste prendre un temps dans la prière pour invoquer la présence de ce Dieu merveilleux qui nous aime et qui est présent, et c'est ça qui fait la différence aussi aujourd'hui. Alors je vous invite à la prière. Seigneur, c'est vrai, on veut te laisser la première place dans ce temps. On veut t'accueillir et se laisser accueillir par toi. On a envie de vivre ce moment, bien sûr dans la joie de voir Tim et Christelle, de sceller cette union, de bénir cette union, mais on veut aussi la vivre dans ta présence bienfaisante, et on t'accueille au milieu de nous, et on veut se laisser aussi accueillir par toi dans ce moment. Alors sois le bienvenu, Seigneur, et puis vraiment qu'on puisse vivre un temps dans ta présence, un temps dans la décontraction, un temps dans la joie, un temps dans la bonne humeur, un temps où on veut se laisser ressourcer et rejoindre par toi. Amen, amen. Alors désolé, Christelle, il prend la première place, mais t'as la bonne deuxième place. Alors on peut chanter, mais avec les masques, hein, si jamais. Voilà.
Thank you.
chercher le bonheur ailleurs. Tout ce monde ne m'apporte rien, mais toi, toi tu m'as donné ta vie. Devant toi, merci beaucoup. On aura l'occasion de vous entendre tout à l'heure, mais
Merci pour ce que vous avez déjà amené là. Ça va? À l'aise? Tranquille? Ouais, profitez vraiment bien de ce moment. Détente, tranquille. Hein, ça passe trop trop vite sinon. Ouais. La première fois, petite anecdote au passage, comme ça. La première fois que j'ai rencontré Christelle, on avait organisé, il y avait une soirée de louanges à l'Oasis, et puis c'était Tim qui lidait ce soir-là. Et puis je vais vers lui pour lui dire bonsoir, tout ça. Puis je dis, t'es tout seul ce soir? Il me dit, pour chanter. Puis il me dit, non, non, il y a quelqu'un qui m'accompagne. Je dis, ah, il y a Marina qui chante avec toi? Non. En fait, j'ai rien su de plus. Voilà, j'ai essayé, mais j'ai rien su de plus. Vous connaissez Tim un peu, hein, je pense. Et un petit moment plus tard, Christelle est arrivée. Et puis, ils ont commencé à louer le Seigneur ensemble. Et je crois qu'il y a vraiment une chose qui vous unit, en tout cas, moi, ce que je vois de l'extérieur, hein, c'est là, le chant, c'est la louange, c'est la présence de Dieu. Et puis, voilà, pour commencer ce moment de prédication, de moment de partage, en fait, j'avais envie de nous offrir un morceau de musique de Glorious avec Natacha Saint-Pierre sur le Cantique des Cantiques. Parce que c'est ce texte du Cantique des Cantiques, enfin, voilà, que j'avais envie de partager un petit peu avec vous pour ce temps de partage, ce temps d'écoute et tout ça. « Viens, mon cœur t'appelle », c'est un chant qui est inspiré du Cantique des Cantiques, hein, du chant des chants, ou le plus beau des chants, ou le chant par excellence. Voilà, ça c'est les trois manières qu'on pourrait traduire ce terme du Cantique des Cantiques. Alors on va écouter ce chant qui est basé sur le Cantique des Cantiques 2, les versets 8 à 17. Et puis je vous rejoins après, alors profitons bien de ce moment de musique. Sur notre terre.
La grâce qui guérit et qui relève, voici l'amour qui jamais ne s'achève. Ça c'est fait, comme vous dites. Ça va? Pas de blessés? On vous dit quand ça tombe. Ouais, ça vous tombe dessus. On n'avait pas dit qu'il fallait le casque. Hein. On avait parlé des masques, mais pas du casque. Je pose là, Ludo. Hein. Ça a l'air bon. Ouais. Voilà, c'est les petits aléas de l'extérieur. Hein, voilà. On fait avec ou sans. Alors ça tourne les pages dans le mauvais sens, c'est pas mal aussi. Donc si je lis deux fois la même chose, c'est qu'en fait la page est revenue. En fait, vous me dites hein, si jamais je me répète pendant longtemps. Ou alors je devrais peut-être commencer par la fin. Voilà, un beau morceau, je crois, je ne sais pas comment vous l'avez apprécié, vous, mais moi, il y a quelque chose de très profond, en fait, dans ce texte, une analogie entre l'amour du bien-aimé et puis l'amour de la bien-aimée aussi, et puis ce vide dans notre cœur qui ne peut être finalement comblé que par la présence de Dieu, que par cette présence de Dieu lui-même. Et dans tout ce livre du Cantique des Cantiques, on découvre l'amour qui s'éveille, hein, et cette relation d'amour avec Dieu qui grandit, qui s'éveille, qui prend toujours plus d'ampleur. On y découvre des paroles d'alliance, comme vos paroles d'alliance, qu'on va entendre dans un petit moment, Christelle et Timothée, qui marquent aujourd'hui devant nous, devant Dieu aussi, votre alliance, leur alliance. Le Cantique des Cantiques, c'est un livre qui est lu chaque année à la Pâque juive, en fait. Ils le relisent chaque année lors de la Pâque juive. Celui qui franchit les montagnes, qui saute par-dessus les collines, ce n'est pas Timothée, c'est Dieu lui-même qui vient comme au secours de son peuple. Et c'est pour ça que ce texte est lu chaque année, en fait. Alors, c'est vrai que dans ce texte, Dieu semble absent. On ne l'entend pas parler. On ne parle pas directement de lui, mais l'amour, en fait, dont il est fait mention, est un amour qui trouve son origine en Dieu lui-même. Lui qui, au lieu de juste le dire, ou le décrire, ou le chanter, il le vit et il le transmet. Et c'est aussi une invitation à toi, Timothée, et à toi, Christelle, de vivre pleinement votre amour. Et pas juste
si je peux dire ça comme ça, de le dire ou de le chanter. Et avec Dieu, ça va même encore un cran plus loin. Parce qu'il a tout accompli pour qu'on puisse, nous aussi, vivre avec lui cette relation d'amour, en fait. Alors, je suis d'accord, ce n'est pas 100% le même amour que celui qu'on vit dans un couple. C'est bien évident, mais il y a des points communs. Il y a des points communs. Il y a la passion. Il y a cette envie de passer du temps avec celui ou celle que j'aime, en fait. Hein. Envie de passer du temps avec ce Dieu qui m'aime et que je peux, à mon tour, moi aussi, aimer. Ça va, le vent, c'est bon? C'est comme Tim, il a envie de passer, probablement, il a envie de passer du temps avec Christelle, et puis Christelle, elle a envie de passer du temps avec Tim. Enfin, ouais. Ah, ça nous rassure, hein? Ou bien, c'est bon, ouais. Ce Dieu qui bondit par-dessus les collines, par-dessus tout ce qui me sépare de lui, pour me retrouver, pour me rejoindre, pour m'offrir son secours, comme nous dit ce texte. Comme Tim le fait pour rejoindre Christelle. Ou Christelle le fait pour rejoindre Tim. Comme on fait, comme on a tous fait en fait, pour rejoindre celui ou celle que l'on aime. En fait. Et c'est l'image romantique un peu du beau chevalier sur son cheval blanc qui va rejoindre sa bien-aimée. Hein. Il y a quelque chose de romantique et de beau dans ce passage. Alors au-delà du cliché, si je peux dire comme ça, Dieu nous cherche tout en sachant se faire discret et ne pas nous brusquer. Et je trouve beau aussi dans ce texte, parce que comme on cherche le bien-aimé ou la bien-aimée, on n'est pas toujours très discret, en fait. Hein. Mais Dieu, lui, il est discret. Il est juste là, derrière le mur de ton cœur. Hein. Il cherche à te rencontrer. Il cherche à voir à travers la fenêtre, peut-être, de ta vie. Il jette un coup d'œil à travers la barrière. Il est là, il attend. Il attend que tu ouvres la porte de ton cœur. Comme le bien-aimé ou la bien-aimée qui n'attend que ça. Un signe pour entrer dans ta vie. Comme Timothée aujourd'hui, Dieu a de l'élégance. Parce que Tim, il a super élégance aujourd'hui. Hein. Dieu, il ne va jamais forcer la porte, en fait. Il ne va pas casser la fenêtre ni défoncer la barrière, en fait. C'est un Dieu qui nous aime passionnément, qui nous parle avec des mots tendres, comme on l'a entendu dans ce chant, comme on parle à son amoureux ou à son amoureuse. Montre-moi ton visage. Fais-moi entendre ta voix. Elle est si agréable. Ton visage est si joli. Je reprends des éléments du Cantique des Cantiques. Et quand la relation s'établit avec ce Dieu, d'amour, comme dans ce texte, alors on peut dire « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui ». Vous voyez, c'est une relation comme ça qui s'établit. Il y a quelque chose de mystérieux quand même dans ce texte. Hein. Quelque chose d'inexplicable en fait. On peut le comprendre, on arrive à le comprendre, à le capter, mais c'est quand même, ça reste quand même un peu mystérieux. Et c'est ce qui est joli. Hi, chacun son tour. Dans votre couple, c'est évident. Hein? Mais avec Dieu, c'est un peu autrement parfois. Et c'est tellement fort qu'on peut dire « Dieu est à moi et je suis à lui ». T'as besoin d'un coup de main? Ça va aller. Attends, je vais ramasser le micro. Je le laisse en bas. Comme ça, il ne tombera pas plus bas. Voilà. Tadam. On va voir combien de temps ça tient. Dans le dernier livre de la Bible, tout à la fin, il est question aussi de noces, il est question de mariage, il est question d'un chevalier monté sur un cheval blanc, des belles images aussi, avec ces paroles très fortes en fait, hein, qui nous dit « La demeure de Dieu est parmi les êtres humains. »
la demeure de Dieu est parmi les êtres humains. Il demeurera avec eux et ils seront ses peuples. Il y a quelque chose de magnifique aussi là, où on voit ce rapprochement en fait entre Dieu et l'humain. Et on découvre encore dans ce dernier livre une relation entre Dieu et les humains qui est comparée à un mariage. On revient sur cette image du mariage. Il y aura, comme aujourd'hui, la fête, le banquet, peut-être un peu de moins de vent, peut-être, on verra. Et puis, j'en suis sûr, il n'y aura pas de Covid, donc on n'aura pas besoin des masques, on n'aura pas besoin de tout ça. Ça va être juste être un moment juste merveilleux. Alors, pour conclure, c'est magnifique de vous voir, Christelle et Tim, de voir votre amour l'un pour l'autre, parce que ça se voit. Ça, même si vous ne le dites pas comme ça, mais ça se voit, quoi, ça se voit. De savoir que vous bâtissez votre couple avec comme centre vraiment cet amour aussi, bien sûr l'un pour l'autre, puis cet amour de Dieu. Et ça c'est magnifique. Et j'aimerais vous encourager à toujours plus vraiment développer, entretenir votre amour l'un pour l'autre, bien sûr, mais aussi votre amour pour ce Dieu qui vous aime. À vous laisser aimer. Parce que c'est pas toujours facile de se laisser aimer, hein? Se laisser aimer autant par l'autre que par Dieu. Que cet amour, ça soit comme un feu qui réchauffe votre foyer, qui réchauffe vos cœurs, et puis cet amour de ce Dieu qui a tout donné pour cette relation d'amour avec lui, elle soit possible aussi, et qu'elle puisse transparaître. Et j'aimerais terminer avec une toute petite lecture très courte, parce que j'avais dit que je ne ferais pas plus que 25 minutes, hein, donc... Ah non, c'était pas ça, c'était 11 minutes, vous avez dit. Avec une courte lecture au sujet de l'amour qui se trouve dans 1 Corinthiens 13, c'est vraiment le texte qui parle de l'amour, versets 4 à 8, qui nous dit ceci. L'amour est patient. Alors, je ne sais pas si vous êtes patient, vous, mais enfin, l'amour est patient. L'amour n'est pas envieux. C'est compliqué, déjà. L'amour ne se vante pas. L'amour n'est pas prétentieux. L'amour ne fait rien de honteux. L'amour n'est pas égoïste. L'amour ne s'irrite pas. L'amour n'éprouve pas de rancune. Je redis encore une fois ça. L'amour n'éprouve pas de rancune. Ça, c'est un défi, ça, à la longue. L'amour ne se réjouit pas du mal, mais il se réjouit de la vérité. Et en toutes circonstances, il fait face. Il garde la foi, il espère, il persévère. Parce que l'amour est éternel. L'amour est éternel. Alors pour reprendre le verset sur votre faire-part, j'aimerais juste encore vous dire ceci, quoi. Cherchez d'abord le royaume d'amour de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Amen. For
Pas trop froid, ça va? Ça va. Alors, votre mariage, je crois, a eu lieu hier, non? Sauf erreur. Ça a été? Ouais? Vous avez dit oui? Ah, magnifique! Deuxième réconfort. Oh ben, non, mais j'en doutais pas. Et aujourd'hui, on a envie de bénir en fait votre union, de bénir votre union, en nous rappelant ce que Dieu lui-même nous dit. Il n'est pas bon que l'homme reste, ou l'humain finalement, reste seul. En fait, hein. Il quittera ses parents, s'attacher à son conjoint. C'est ce que vous allez faire aujourd'hui. Enfin, vous avez déjà fait. C'est le mariage qui est aussi cette image, comme je le disais tout à l'heure, de cette union avec Dieu, en fait, hein, de cette rencontre, de cette relation avec Dieu. Alors pour marquer votre engagement l'un envers l'autre, je vous invite à me rejoindre. À vous de jouer, si je peux dire comme ça, avec vos promesses. Alors je ne sais pas s'il y a besoin de la veste ou pas. Commence. Pour de vrai. Je vais me mettre un petit peu ailleurs pour que les photos soient belles. Tu veux que je tienne le micro? Ben ça va aller. Ça va aller. Alors moi je vais tirer un peu. À toi, ma chère Cricri, c'est toi qui t'es approchée de moi en premier. En plein confinement, fallait oser. Mais il faut croire que tu étais bien décidée. Entre balades nocturnes et louanges en forêt, très rapidement, tu m'as révélé ce que ton cœur désirait. Vivre à la suite de Jésus, fonder une famille, louer Dieu, et tout cela avec ton mari. Je n'ai pas cherché à te séduire, je me suis simplement présenté à toi comme je suis. Je n'ai pas décroché la lune pour toi, mais j'ai pris le temps de la contempler avec toi. Au rythme des balades, de jour comme de nuit, il n'a pas fallu longtemps pour que mes yeux s'émerveillent en te voyant. Je n'ai pas pu résister au charme de cette femme si belle et authentique. Dès les premiers jours, on a rêvé ensemble de ce jour. Dès les premiers jours, tu m'as aimé d'un puissant amour. Et malgré mes premiers doutes, tu m'as choisi, moi. Tu as fait ce choix et tu as continué coûte que coûte. J'avais pas prévu le vent. Merci d'être cette femme à la fois patiente et déterminée. J'aime ton courage et ta confiance, ton optimisme et ton authenticité. Entre innocence, enthousiasme et naïveté, ton âme d'enfant fait de toi cette femme si choue et attachante. J'aime ton sens de l'humour, s'aiguisant au fur et à mesure du temps que tu passes avec moi. Merci pour ton rire authentique et naturel à mes blagues. Un humour d'une subtilité rare. Ou pas. Avec toi, j'ose être moi-même. Je n'ai pas besoin de porter un masque. Tu m'aimes tel que je suis. Et je voudrais bien que tu me considères en tant que tel. Merci pour ta douce présence à mes côtés et ton soutien chaque jour durant. Tes surnoms, tous plus choux les uns que les autres. Mon cœur, mon ange, chou, choupi. Choupi, Choupette, Cricri, Chris, Christmas, Chris Crouille, ou bien encore ma grenouille. Tant de façons de te dire que je t'aime à ma façon. Je promets sur mon honneur et avec la grâce de Dieu de faire tout mon possible pour te servir dans les bons comme dans les mauvais moments. Te chérir comme le cadeau le plus précieux que Dieu m'ait offert. En dehors de la vie de son fils donné pour nous tous, te protéger au péril de ma propre vie, te rester fidèle, quelles que soient les circonstances, t'aider en tout temps, t'aimer du
du plus profond de mon cœur et obéir à la volonté de Dieu. Si Dieu nous donne des enfants, je te promets de les élever de mon mieux et de leur parler de notre Dieu, Créateur et Sauveur. Je te promets de m'en occuper également lorsqu'ils nous réveilleront en criant au beau milieu de la nuit, de les bercer pendant 1, 2, 3 heures, non, pour finalement remarquer qu'il me reste moins de 30 minutes avant que mon réveil sonne. Je souhaite t'emmener régulièrement en aventure, en montagne ou ailleurs, mais ne t'inquiète pas, je serai ton guide. Et bien sûr, je me réjouis de te faire découvrir d'autres bons fromages que le brie, ta découverte culinaire en 2020. Peu importe si je suis fatigué ou pressé, je te promets de t'écouter de mon mieux, même si, lors de nos vieux jours, tu te mets à te répéter. Mes bras seront toujours grands ouverts, prêts à t'entourer et te serrer contre mon cœur. Je veux être présent à tes côtés aussi souvent que tu en auras besoin, te soutenir et t'aider à donner le meilleur de toi-même en toutes circonstances. Je veux croire en toi comme Dieu croit en toi. Ma Cricri, femme de ma vie, je t'aime. Oh bah, je sais pas. Après ça, c'est du level. Hein. Okay. Alors. Tim, Chou, chérie, mon cœur, mon amour, mais aussi mon ami, mon allié, mon confident et mon partenaire ici-bas. Si je suis là aujourd'hui, face à toi, c'est grâce à la fidélité de Dieu et ses promesses. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce psaume m'a beaucoup parlé jusqu'à ce jour. Depuis que je suis petite, et malgré certaines épreuves que j'ai traversées, le rêve de me marier, puis de fonder ma propre famille, n'a cessé de brûler dans mon cœur. Même si parfois j'ai pu douter que ces rêves se réaliseraient, au fond de moi, je sentais que je serais appelée à le vivre un jour. Alors j'ai confié ce désir à Jésus. J'ai prié pour que ce jour arrive, mais aussi prier pour mon futur mari, qu'il soit béni, protégé, gardé dans ses choix et qu'il soit prêt à me rencontrer. Car je souhaitais que mon conjoint soit approuvé par Dieu. En effet, Jésus que j'ai choisi de suivre personnellement dans ma vie connaît mon cœur, mes désirs, mes aspirations et mes besoins bien mieux que quiconque. Ainsi, cela fait un peu plus d'une année que notre voyage exceptionnel a commencé. D'ailleurs, qui aurait pensé que nous nous rencontrerions sur les réseaux sociaux et surtout durant le confinement? D'autant plus que seuls 14 km nous séparaient l'un de l'autre. Petite anecdote, notons tout de même que je t'ai vu pour la première fois avec une barbe qui laissait à désirer. Au final, peu importe puisqu'il faisait nuit, vu est un grand mot. Au moins, tu as gagné le pari contre Mathurin et cela ne m'a pas empêché de tomber amoureuse de toi. Eh oui! Quelle fierté d'être aux côtés d'un homme comme toi. Tu es un vis-à-vis exceptionnel. Moi qui désirais un homme relationnel et communicatif, tu me partages ton cœur avec aisance. Tu as un cœur pour les enfants, et ça tombe bien, car je n'en veux pas qu'un. Tu as aussi un cœur d'adorateur. Que tu sois derrière une guitare, une basse, un piano ou même un micro, c'est un immense privilège de pouvoir louer Dieu ensemble au travers de ce ministère. Physiquement, tu es plus grand. Quoi de mieux pour se blottir, mais aussi se sentir protégé et en sécurité. Et qu'est-ce que tu es beau! Quant au langage de l'amour, tu aimes prendre des temps de qualité. Tu es tactile et tu m'encourages régulièrement par des paroles valorisantes. En plus de cela, je constate que tu n'as pas peur de le démontrer. C'est très apprécié. Tim, tu es une bénédiction. C'est pourquoi je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime et ce, pour plusieurs raisons. Tu es passionné pour beaucoup de choses. Premièrement, tu es passionné de Dieu. Tu l'aimes et chaque jour prouve que tu désires le suivre. Merci parce que tu m'encourages à le chercher, à m'approcher de lui et à l'aimer à mon tour. Tu es passionné de la nature.
Ton engagement dans les flambeaux le montre bien. Tu aimes également les marches en montagne, par exemple, les fameux 4000, même si j'avoue que je ne suis pas tranquille quand tu pars là-haut. Tu es un vrai aventurier. Merci parce que cela m'a permis de dévoiler mon côté d'aventurière. Tu es passionnée dans ce que tu fais, que ce soit dans ton travail d'ingénieur, tes jeux de rôle ou encore l'escrime médiévale, tu ne fais pas les choses à moitié. Au quotidien, tu montres que tu as soif d'apprendre et que tu as à cœur de bien faire les choses. De plus, tu es quelqu'un de réfléchi et tu as une grande maturité. Tu as des dons et tu as des talents dans plusieurs domaines, notamment la louange et le dessin. Tu es rempli d'amour et de compassion pour les autres. De ce fait, tu es tendre, doux, calme, sensible, disponible, attentif, respectueux et affectueux. Parfois, je me demandais qui pourrait m'aimer avec patience, avec tant de gentillesse, avec sincérité et avec autant de respect. Eh bien, je t'ai trouvé. D'ailleurs, quel honneur d'être la femme que tu as choisie pour vivre à tes côtés. Et quelle joie pour moi de pouvoir t'accompagner dans tes rêves les plus fous et de te voir accomplir ce que Dieu a réservé pour toi. Mon cœur, je suis tellement reconnaissante de vivre cette journée pour ma vie, mais aussi pour ta vie. C'est et tu es un véritable cadeau. Alors pour conclure ces promesses, quoi de mieux de comparer notre quotidien avec ton travail d'ingénieur en transport exceptionnel ? Alors que nous avons rencontré quelques difficultés au démarrage, après avoir trouvé le bon équilibre, nous avons pu entamer le voyage exceptionnel qui est devant nous. Oui, car tous deux, nous avions à cœur que ce voyage soit en accord avec le meilleur des conseillers, Jésus. Nous nous sommes concertés avec lui afin d'obtenir son autorisation. Bien que dans ces circonstances, le chemin reste plutôt inconnu à nos yeux, nous savons que nous pouvons compter sur l'aide de Dieu, de notre famille et de nos amis. En cela, il s'agira d'un beau et merveilleux convoi exceptionnel. Sache que je me réjouis toujours plus de le poursuivre à tes côtés. Mais afin que ce voyage se déroule dans les meilleures conditions possibles, Tim, je m'engage à être une épouse fidèle, aimante, à l'écoute, respectueuse et un soutien dans les bons comme dans les moins bons moments. Je te promets de faire de mon mieux pour mettre Dieu au centre de notre couple, de l'aimer, le servir, d'intercéder et de le louer. Si Dieu nous fait le cadeau d'avoir des enfants, je m'engage de les aimer, de m'en occuper et surtout de leur transmettre nos cœurs pour Jésus. En ce jour, tu fais de moi une femme comblée en me prenant pour ton épouse. Aujourd'hui et pour le reste de mes jours, moi, Christelle Varidel, je choisis de t'aimer et de vivre cette belle aventure à tes côtés. Je t'aime. Tu m'avais dit que tu avais deux pages, mais je ne pensais pas que c'était vraiment deux pages. Magnifique. Est-ce qu'on peut vraiment les applaudir tous les deux, là ? C'est beau de voir vos engagements que vous prenez. Oui, je vais me déplacer, ça va siffler sinon. Alors vous êtes unis auprès de... Attends, je vais venir un peu devant quand même. Hein. Voilà, bouge pas. Voilà, il ne faut pas que je me mette trop là, sinon je vais me faire gronder par... Vous êtes unis à l'état civil et vous attestez devant nous qui sommes les témoins finalement, de votre engagement avec Dieu à vivre cette vie de couple et de cette vie d'aventure, de convoi exceptionnel, magnifique, qu'on se réjouit aussi. Et puis, voilà, je crois que c'est vraiment un beau moment. Et puis, en signe de votre engagement, vous allez passer les alliances, je crois. Alors, elles vont arriver d'une manière assez convoi exceptionnelle aussi. Hein, on va voir ça. Magnifique.
Bravo! Excellent! Alors, je ne sais pas si Nathan va réussir à donner les alliances. On va peut-être l'aider un petit peu. Il ne veut plus les lâcher. Hein. Alors, un tout grand bravo, les enfants. Bravo, bravo, bravo. Merci. Excellent. Super. Vous pouvez continuer le chemin. Ah, ça, c'était un convoi exceptionnel aussi. Hein. J'aimerais inviter les témoins à venir, à nous rejoindre, parce qu'on va prier aussi pour vous, pour vous bénir, pour voilà, simplement, yops. Et puis on dit honneur aux dames. À toi, Jamie, ça fait plaisir de te revoir. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. C'est vrai. On discutera plus tard. Oui, on parlera après. Ouais, Seigneur, j'aimerais te remercier pour Christelle et Timothée. Merci pour cette magnifique journée de mariage. Merci pour ces deux merveilleuses personnes que tu as unies aujourd'hui. Ils se sont unis devant toi, devant la famille, devant les amis. Et j'aimerais vraiment te remettre leur couple entre tes mains, qu'ils puissent toujours plus être centrés sur toi, toujours plus te rechercher et toujours plus se tourner vers toi et prendre du temps avec toi, que ça soit personnel ou ensemble. Merci beaucoup pour la joie aussi qui émane de ce couple. C'est tellement beau de les voir. Ils sont magnifiques, ils sont radieux, ils sont vraiment super beaux. Et je suis aujourd'hui très contente de pouvoir être là. Et merci à toi, Seigneur, pour tout ce qu'ils ont pu passer et où ils en sont aujourd'hui. Maintenant, le mariage et qui est la nouvelle aventure, le début d'une belle aventure. Je te les remets entre tes mains, Seigneur. Amen. Merci Seigneur, merci pour ce couple, merci pour Tim et pour Christelle Seigneur, je te remets leur couple papa, je te remets cette équipe qui forme avec toi Seigneur et que leur famille puisse te servir jusqu'à leur dernier jour Seigneur, qu'ils puissent te rendre gloire par leur comportement, par ce qu'ils vont amener à leurs enfants Seigneur, par leurs actions, qu'ils soient des exemples dans ce monde, des exemples Seigneur pour d'autres couples, qu'ils puissent rayonner autour d'eux Seigneur. Être un miroir de ta grandeur, Seigneur. Je te les remets pour dans leurs épreuves et dans leurs bons moments. Qu'en tout temps, ils puissent vivre ces moments avec toi, Seigneur. Que tu sois leur plus fidèle allié. Merci. Amen. C'est vrai qu'on veut te louer et te bénir, Seigneur, pour Tim et Christelle. Et puis, on veut, à notre tour aussi, être de ceux qui les bénissons, qui les encourageons, qui les entourons, qui les portons dans ta présence maintenant, ensemble, en tant que témoins de leur alliance, de leur union, de leur envie de partager leur existence ensemble avec toi. Et dans ce sens-là, vraiment, on veut les bénir, Seigneur. On veut vraiment dire que tu approuves ce mariage, que tu les encourages et puis que tu vas les accompagner sur le chemin qui est le leur. Et puis, je te prie vraiment de leur donner cette joie, cette passion, vraiment cet amour-passion aussi, l'un pour l'autre et puis pour toi. Et puis que vraiment ensemble, j'allais dire vous trois, vous puissiez cheminer ensemble dans une vie de famille, dans
une vie de couple qui soit bonne, qui soit bénie, qui soit bénissante aussi. Que cet amour que tu leur donnes, Seigneur, qui les habite, puisse aussi se répandre autour d'eux, que ça puisse porter du fruit dans leur entourage, que d'autres puissent aussi peut-être être touchés, et puis voilà, qu'il puisse y avoir quelque chose de toi qui puisse traverser plus loin, passer plus loin, que ça soit dans leurs enfants ou que ça soit dans leur entourage. Et puis nous, on veut juste être témoins de cette union maintenant, et puis les bénir en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Merci. Merci. Vous voulez vous rasseoir? Ouais, tu fais gaffe, les boules de verre. Alors maintenant, il y a un petit morceau de musique, un petit intermède musical. To every part of me, and when I hear the sound of
Voilà, j'ai la joie aussi de pouvoir vous remettre une Bible. Alors une Bible, ça établit une relation en fait, hein, une découverte, une connaissance, une rencontre avec ce Dieu qui aime, qui vous aime et qui donne à la fois ce qui est juste et en même temps il fait grâce en prenant sur lui tout ce qui nous sépare en fait, tout ce qui nous éloigne, tout ce qui coupe la relation. Alors vous vouliez une Bible commentée, hein, et voici que vous allez recevoir une Bible à commenter. Voilà, ça c'est, vous demandez des trucs à Claude, vous n'avez peut-être pas toujours ce que vous voulez. Avec Dieu, c'est heureusement autrement qu'avec moi. En fait, je ne fais jamais, pas toujours ce qu'on me demande en fait. Mais voilà, j'ai trouvé ça, puis ça m'a parlé en fait. Une Bible journal de bord. Alors, c'est aussi en écrivant vos commentaires, vos compréhensions de ce texte, que ça va aussi vous révéler, que ça va vous montrer, que ça va vous aider à découvrir aussi son amour. Et puis, ça va faire grandir votre foi, votre connaissance aussi de son amour. Et puis, tout ça, ça va grandir en vous au fil de vos lectures en commun, quoi. Ce sera un peu votre héritage spirituel de votre vie de couple avec Christ, hein, de vos découvertes respectives dans votre vie. Alors, c'est un livre à lire et à commenter en couple. Un livre qui va vous conduire à chercher d'abord le royaume d'amour de Dieu, comme je vous disais tout à l'heure, un temps à vivre ensemble de découvertes, des lectures qui vont peut-être vous transformer vos vies ou vous interpeller, enfin j'espère en tout cas, vous rapprocher l'un de l'autre, vous rapprocher aussi de Dieu, de son amour, de ce Dieu qui vous aime, qui vous accueille tel que vous êtes et puis qui va vous accompagner sur votre chemin de vie. Alors je suis très heureux de vous offrir cette coupe qui est un vrai journal de bord. Alors je vous l'offre à tous les deux, voilà. Et puis soyez bénis dans vos lectures, ensemble. Et puis en plus elle est lourde, comme ça c'est bien comme ça. Vous ne l'oublierez pas dans un coin, enfin voilà. On va avoir quelques chants maintenant, je ne sais pas combien. Ah, un, alors, quelques 100 S. Merci à vous. Thank you.
Dieu, j'en suis certain, tu ne m'as jamais laissé. Voilà, bonjour à tous, nous sommes les Majorettes, il y a Joanne, Ludivine et moi-même, Marie. Nous sommes toutes les trois enseignantes, d'où cette introduction un peu scolaire pour toi, Christelle, qui est aussi enseignante. Alors, pour un bon fonctionnement, on va tout d'abord commencer par donner les règles de vie, comme à l'école. Alors, la toute première règle de vie, c'est assez logique, mais on lève la main pour parler et on attend d'être interrogé pour parler. Deuxième règle très importante, on écoute ses camarades et surtout les majorettes, donc nous. On se désinfecte régulièrement les mains. Il y a du désinfectant un peu partout, vous verrez. On n'oublie pas ça. Et puis, n'oubliez pas de porter votre masque en permanence, sauf évidemment quand vous mangez ou lorsque vous buvez. Bah, c'est évidemment pas très pratique. Et bien entendu, si vous ne respectez pas ces règles, il y aura des sanctions. Voilà. Maintenant, chers élèves, ça va être à vous de participer. Vous allez devoir faire un petit exercice gymnastique. Regardez sous votre chaise s'il y a une question. Et si vous avez une question, on vous demande de lever la main pour la poser. Et bien sûr, si votre voisin est absent, veuillez regarder sous sa chaise. Et Christelle, on va te demander de faire la maîtresse et donc d'interroger les gens. Je me lève, je vais beaucoup bien. Ok. D'accord. Ouh, il y a déjà des bons élèves. Camille. Ok, ouais, super. Qui sort le premier de l'église ? Excellente question. Alors, vous, les invités, vous sortirez, on commencera la sortie par ceux du fond. Il y aura une aide d'honneur et on vous invite à continuer à faire la aide d'honneur dans cette direction, exactement comme sont installés actuellement les flambeaux. Les mariés sortiront en dernier. Déborah. C'est quand qu'il y aura les photos? Alors, tout d'abord, on dit quand y aura-t-il les photos? Alors, les photos... les photos auront lieu au fond, donc à la suite du cortège, enfin, de la haie d'honneur. Et puis, sur le petit feuillet, sur la dernière page, il y a l'ordre de passage des photos. Donc merci de le regarder et si vous êtes concerné par ce passage, d'être présent lorsqu'on vous appelle, parce qu'on aura le mégaphone, mais si vous pouvez être proche du lieu des photos pour qu'on n'ait pas besoin de trop attendre, ce serait parfait. Denis, je ne t'ai pas oublié. Où est-ce qu'on se parque pour l'apéritif? Alors, tout est indiqué sur les plans que vous avez reçus par email. Et puis, il y aura aussi des personnes qui vous indiqueront où vous parquez le long de la route en arrivant au domaine. Et puis, pour rappel, l'apéritif numéro 1 a lieu de 16h30 à 17h15, le numéro 2 de 17h30 à 18h15 et le troisième, qui est aussi pour tous les invités du souper,
sera à 18h30 et puis le souper se passera au même endroit. Voilà, maintenant j'appelle Ludovic Richard, notre gilet jaune, pour l'organisation du cortège. Alors voilà, bonjour à tous, je me voilà dans mon plus bel apparat, merci beaucoup. Donc, vous vous demandez peut-être pourquoi on vous a fait parquer en marche arrière. Alors bon, déjà c'est plus pratique pour repartir, mais aussi, en cas de guerre, on est directement très loin. Non, je ne suis pas alarmé. Non, le but, c'est de déjà avoir formé le cortège. Et c'est le cas, c'est incroyable. On peut s'applaudir. Moi, je crois que ce cortège est incroyable. Vraiment. Bravo. Voilà. Bon, bien sûr, les deux retardataires, ils n'ont pas compris parce qu'on était déjà là. Enfin, tant pis pour eux. Hein. Ils auront vite le temps de se remettre à l'endroit juste après. Donc, il y aura la voiture des mariés tout devant pendant le cortège. Moi, je serai juste derrière avec ma petite Toyota Aygo grise foncée. Et on va faire tout un petit tour comme ça, parce que si on allait directement à la Vicence, il y en aurait pour environ 30 secondes, donc ce serait un peu dommage, on pourrait pas klaxonner, on pourrait pas tout ça. Donc on va faire un petit tour comme ça, on va passer près du lac, ensuite on va remonter, et on va tous participer au cortège. Et ensuite, juste avant d'arriver, ceux qui participent au premier apéro, ils monteront le chemin dans les vignes pour aller se parquer à la Vicence, là où on fera l'apéro. Et pour les autres, eh ben, vous pourrez continuer votre chemin et revenir plus tard. Et à cette intersection, il y aura une personne comme ça en gilet jaune qui sera là pour vous attendre, pour vous indiquer ceux qui montent tout de suite au premier apéro, ils montent le chemin, les autres, ils continuent tout droit. Est-ce qu'il y a des questions? Très bien. Et puis n'oubliez pas aussi de prendre un petit nœud à la fin de la haie d'honneur. Il y aura un panier avec des nœuds blancs. Vous pourrez en prendre un pour décorer votre voiture. Voilà, on vous souhaite une bonne suite de journée. Bravo pour l'organisation, magnifique. On sent qu'il y a de l'expérience. Hein. Scolaire peut-être, mais expérience quand même, excellente. Voilà, j'aimerais vous inviter à vous lever pour la bénédiction. Et puis après, bah, comme ça a été dit, hein, vous sortez dans l'ordre qui aura été annoncé, il y aura la musique. Voilà. Mais j'aimerais vous terminer avec une pensée, en fait, inspirée d'un texte d'Éphésiens 6, les versets 23 à 24. Qui dit ceci, que Dieu le Père, Jésus le Seigneur, vous accorde la paix et l'amour avec la foi, la confiance. Que la grâce de Dieu soit avec vous toutes et tous, et que cette journée se poursuive vraiment dans la joie de sa présence et de celle des uns et des autres. Alors profitez bien de cette fin de journée, soyez bénis, et puis vraiment, encore merci pour ce bon moment que vous nous avez fait passer. Amen. Voilà. Oui. Alors, ça sort par la fin, je crois, hein, c'est juste. Musique. Change.